Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Désolé pour tout à l'heure, nous avons eu un problème technique, mais ce qui est important, c'est que l'on puisse être là en ce moment. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Même si vous la suivez après, prenez la peine de la partager, ce sera gentil de votre part. Alors, ce matin, je suis avec Dr Enoka Narcisse. Je vous salue. L'homme à ne plus présenter. Ah ouais. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mmh. Et donc, depuis mon retour, on a décidé de passer ce samedi ensemble. Nous étions rendre visite à notre bien-aimé, le prophète Kamto. Qui nous a aussi beaucoup manqué, et nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Et pour sa communauté. Amen. Et pour son épouse et toute sa famille. Alors, bien-aimé, tout simplement pour t'annoncer que je suis de retour au Cameroun. Hier, vendredi, je n'ai pas pu être à l'église. Ce n'était pas possible pour moi, parce que, quoique j'avais des prédispositions pour cela, mais je n'ai pas pu. Voilà, j'étais épuisé, fatigué. Par rapport à la campagne de France, dimanche, nous avons un très grand culte et je tiens à t'inviter personnellement. Je ne voulais pas que ce soit une autre personne qui le fasse. Je tenais à t'inviter personnellement pour ce grand culte que je vais tenir personnellement. Je vais présider devant le Seigneur Jésus. Et le thème que je développerai ce dimanche, c'est les rivalités. Les rivalités. Ce sera un moment d'enseignement fort. Un moment d'instruction devant Dieu et un moment de grâce et de bénédiction. Et je t'invite et je t'encourage à être présent à ce grand moment-là. Les rivalités. Les rivalités. C'est quoi les rivalités? On reviendra là-dedans. Si peut-être à Dieu, ce dimanche 22 septembre, à partir de 8 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas où l'église se trouve, l'église est située en Kouaban. Quand vous êtes au carrefour, quoi, bon, demandez, si vous n'êtes pas véhiculé, à une moto, de vous déposer au niveau de la bire. La bire en quoi, bon, voilà. Et comme vous le faites, le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, ce dimanche sera un moment d'intimité avec le Seigneur. Je voudrais tout simplement que chacun de nous se prépare en conséquence. Chacun se prépare bien. Chacun prenne très au sérieux ce fait, cette rencontre. Et ce sera un moment de communion avec le Seigneur. Vous êtes amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Vous aimez les choses du royaume. Je vous invite à ce grand culte ce dimanche 22. Ce sera mon premier culte après ma tournée européenne. Bénis soient ceux qui seront présents. Bénis soit-il devant l'Éternel, mon Dieu. Afin que la grâce du Seigneur leur soit donnée, que son secours soit leur partage. Alors que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et dimanche le 12 octobre, j'annonce l'inauguration de la chapelle de la CBC Rema Ministry Mission de Soa. Donc les habitants de Soa qui me suivent depuis longtemps et qui n'ont pas eu un lieu d'adoration, dimanche le 12 octobre, c'est le 12 non 12 octobre. Le 12 octobre à partir de 16h. Hein? Dimanche le 13. Voilà. C'est plutôt dimanche le 13 octobre. Dimanche le 13 octobre, à partir de 16h, nous nous retrouvons, c'est le 13, merci. On se retrouve à Soa, centre Soa. Quand vous êtes au centre de Soa, demandez tout simplement
qu'on vous amène au carrefour Ekané. Carrefour Ekané, derrière la maison du prophète. Tout simplement, vous dites ça, on vous amènera à l'église. L'église est juste collée à la barrière de la maison. Vous dites simplement, soit carrefour Ekané. Quand vous êtes assis, demandez carrefour Ekané. Voilà, derrière la maison du prophète. De là, on va monter la maison, vous longez, vous n'entrez pas dans la maison, vous traversez la barrière. Juste derrière la barrière de la maison. Alors, vous verrez, déjà à l'entrée de la maison, vous verrez le protocole qui sera là pour vous recevoir. Donc, ce sera pour moi un temps de joie et de célébration. C'est l'occasion pour moi ici de célébrer Dieu. De célébrer Dieu pour la population de soi dont le Seigneur s'est souvenu afin que ceux qui n'arrivent pas à aller à la bière puissent avoir l'occasion, l'opportunité d'adorer avec nous. Et en cette année 2025 qui est en train d'arriver, dans chaque quartier, nous allons ouvrir une branche Réma. Dans chaque quartier. Les habitants de Soa sont les premiers bénéficiaires de cette grâce et je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc tous ceux qui sont à Soa, à Ebogo, à Eleveur, à Ngousso, en Colmessin, à Tinga, partout là-bas. Même à Emana, vous êtes invités, c'est plus proche de vous. Mais ça, si tout le monde là-bas, dans tous ces quartiers, peut se rapprocher de soi pour bénéficier des grâces de Jésus là-bas. Et c'est une église que je tiendrai personnellement. Parce que les jours de rencontre seront les mardis et les jeudis. Voilà. Donc moi-même, je tiendrai cette assemblée. Quoi qu'on ait un pasteur sur place, parce que c'est mon quartier. Donc, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que sa grâce soit ton partage. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Shalom. Amen. Shalom.